Hello tout le monde, avant que le combat commence, je voulais vous parler de deux petites choses. Ce week-end, je suis en tournoi en Allemagne à Stuttgart, c'est un régional, donc un tournoi assez important. Et compte tenu que je suis maintenant assez proche de la qualif, j'ai 204 points sur les 300 nécessaires, il n'est pas impossible que je me qualifie ce week-end si je fais un gros résultat. En tout cas, je suis très content à partir du moment où je prends des points ce week-end, mais c'est possible que je me qualifie pour les championnats du monde dès ce week-end si ça se passe super bien. En tout cas, si vous voulez suivre mes résultats, vous pouvez le faire sur Twitter, parce qu'à chaque fois à la fin de la journée, je vous mets les résultats de mon tournoi avec mon équipe. Mais vous pouvez aussi faire ça sur Snapchat, puisque maintenant j'essaye, après chaque combat, de vous poster mon résultat dans une story sur Snapchat. Donc si vous voulez suivre presque en direct mes résultats, vous pouvez le faire sur Snapchat, Thomas-GRV. Vous avez de toute manière tous les liens qu'il vous faut pour mes réseaux sociaux. Tout ça dans la description de toutes mes vidéos, donc c'est pas difficile. Mais sur Snap, je poste aussi des choses que je ne poste que sur Snap. Donc si vous voulez tout suivre de ce que je fais, de mes agissements, eh bien vous pouvez le faire avec mon Snap. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo si vous aimez ce combat. Profitez bien. Mais j'essaie, y'a rien d'interdit. En gros, ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle les légendaires mascottes, entre guillemets. On appelle ça mascotte. En gros, c'est ce qu'il y a sur les jaquettes des jeux. Dialga, Palkia, Groudon, Kyogre, tout ça. En gros, tu vois le genre. Et les fabuleux également, ceux qui sont disponibles que par event. Alors, Deoxys est bien un fabuleux, même s'il n'est pas que par event depuis Rossa. Parce qu'il y a toujours cette nuance-là, maintenant, à cause de Rossa. Donc, Deoxys est capturable in-game. Alors, on a de la Hard Trick Room en face. Mais, nous avons Malédiction. Et non pas connu bidon sur Snorlax. Donc... c'est le petit fire, parce qu'on a un lead exceptionnel, c'est Snorlax Incy. Oh là là, Among Us. Alors Among Us, c'est pas foufou, ouais. Garde, ça c'est évident. Ouais non, Among Us, il s'en fout, il peut rentrer sur Stack Attacka. Easy peasy money, allons-y. Pas de Z, du coup. Et pas de Lando. On n'a pas le droit d'avoir deux fois le même objet en VGC. Non, pas deux fois le même objet. Passer de Nantaro à 1k5 d'Elo, ça veut rien dire. Le Elo veut pas dire grand chose parce qu'il y a des mecs qui jouent très bien et qui se comptent, et qui vont pas plus loin que les 1600. Et des mecs qui sont pas si ouf que ça, qui sont au-dessus des 1700. Donc ça veut pas tout dire. Ah mais attendez, je pense à un truc. Reniclus, il prend pas sport. C'est un petit détail auquel je pense à l'instant, hein. C'est comme ça. Ok, on s'est mutuellement intimidé. Est-ce qu'il s'attend à ce que je bluffe son... En vrai, je m'en fous de bluffer son Staraptor. Final Gambit ne tue personne. Donc on va bluffer Reuniclus. S'il fait close combat... Il me fait manger ma baie. Ok, protect. Ok, ça va faire demi-tour du coup, logiquement. C'est un bon play de la part de mon adversaire. Il a bien lu ce que j'allais faire. Ah non, il fait Final Gambit. Non, 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 tu fais pas Final Gambit sur des Pokémon que tu tues pas. Tu fais pas ça. Alors oui, j'ai l'air complètement serein alors que j'ai un UPV, mais je sais qu'il fait exactement 192 de points de vie. Enfin, 192 de dégâts avec Final Gambit, Staraptor. Je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai joué Staraptor en compétition. La dernière équipe, enfin mon équipe de compétition précédente, il y avait Staraptor. Enfin non, il y avait Musteflo, mais me jugez pas. Mais dans la vraie équipe, il y avait Staraptor. On est à plus 1 en attaque, en défense, à moins 1 en vitesse avec Conflex. Donc, pour la distorsion, on est plutôt content, évidemment. C'est Camerupt qui arrive. Alors après, une malédiction, on est toujours plus rapide que Camerupt. Il faut en faire deux. Le truc, c'est qu'il n'y a pas encore la distorsion. Donc ça, c'est mon petit bonheur personnel, si vous voulez. Oh, on refait Curse. Allez, vas-y, on se gave. Et un petit U-turn sur Uniclus. Fais-moi un petit abri disto, là. Histoire qu'on se mette bien. Et s'il le fait pas, je suis à plus 2 en attaque, donc... tranquille. Tranquille, tranquille. Tyranocyte en dance te met mal. Tyranocyte, c'est un Pokémon que je kiffe pas trop affronter avec mon équipe, là. Ok, il s'abrite pas. J'aurais pu faire cavalerie lourde sur le Camerupt, mais vous savez, il y a plus grave dans la vie.
comme rentrer gaulé sur une canicule. Donc je ne le ferai pas. Non, Final Gambit, ça pouvait pas être son meilleur play parce que c'était forcément... Enfin, il avait tout à y perdre. C'est ça le problème. Ça tape la canicule. Ah non, il est plus rapide que moi alors j'ai fait ma addiction. Il est pas mis de vitesse alors son... Son Camerupt. Mais maintenant, j'ai fait deux malédictions, donc là la question ne se pose même plus. Il fait Z-Tricro? Ou Z-Psy? Z-Psy, tu auras pas... Tu auras pas Ronflex du tout. Calmez-vous. Et non, il booste sa précision. Donc, c'est bien Z-Distorsion. Sheer Force, Gardevoir. Go taper Moonblast sans Megavo. Ouais, pour ça, il faudrait déjà avoir Moonblast. Non, j'ai sans limite sur mon Gardevoir, mais ça ne lui sert à rien. Absolument à rien. Je suis pas inspiré, je sais pas, je... Je vais faire un break, Gardevoir, je sais pas quoi faire. Ok, s'abriter avec Camerupt. Je le voyais s'abriter avec Camerupt là. Il a pas peur de cavaler l'aurore. Bon. On a plus 2, je pense que vu ce qu'il reste, Runiclus, on le tue. Non, ok, bon tant pis. L'avantage contre Camerupt, c'est que vous savez que vous pouvez pas faire brûler sur canicule. Voilà. Ah bon, on peut quand même prendre un coup critique. On a un peu l'habitude, mais bon. Est-ce qu'il fait Trick Room? Non. Focus Blast. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il est moins sa précision, j'avais oublié ce délire-là. D'accord, d'accord, super, allez bien, Teddy. Super. Bon, on est dans la merde, on aurait dû aller taper le Camerupt. Ça brille, hein. J'ai fait recyclage. J'avais gagné un 100 cavalerie lourde. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, parce que là on meurt sur canicule plus focus blast. Mais ça veut dire qu'il va pas chercher Gardevoir. Enfin, si, Gardevoir prend canicule quand même. J'aurais préféré le contraire. Mais ça me va, hein, je me plains. Oh, oh, oh. Même à plus 100 précision, Focus Blast peut encore louper. Enfin, la situation, on l'avait déjà démontré, hein. Mais... Ah là, vous pouvez spammer les mots RNG, hein. Là, le haricot RNG, vous pouvez l'envoyer, là, les gars. Là, vous pouvez le spammer, là, vous avez le droit. Je vous l'autorise. Et c'est Okotoro qui arrive. Ils sont seuls au monde. Les champs herbus, monde. Non, mais j'ai beaucoup mieux joué que lui, je pense que c'est clair, évident. C'est principalement du talent. Voilà. J'ai encore pas attaqué le. le Camerupt. Je sens qu'il va toujours pas s'abriter. Je sens l'embrouille. Non, putain, mais je l'abrite jamais. Il doit pas l'avoir. C'est pas possible. C'est incroyable, ça. Bon, on a plus d'or défense, donc je pense qu'à moins qu'il fasse Z combat... Bah non, de toute façon, il a déjà fait un Z. Oh, et on évite encore un move. Oh là 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 là. Mais c'est de la pornographie. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais dites aux enfants de pas regarder l'écran là. On évite tout. Merci Cap Fox. Merci Cap Fox pour le resub. Je remercie évidemment les subs après le combat. Pour moins importuner les gens de YouTube qui le sont beaucoup apparemment. J'ai reçu des menaces de mort hein, à cause de ça d'ailleurs. Ah, faire bleu sur Camelot. Ah, mais en vrai. Pardon, j'ai encore fait tomber mon stylet pour la 1000ème fois de mon existence. Au moins. Hein. Au moins.
Il s'abrite jamais! Abrite-toi de temps en temps! Rockslide! Baisse mes... Oh, il évite encore un mou! Aïe aïe aïe, meilleur jeu! Meilleur jeu, disait-il! Bon. N'oubliez pas que sur un crit, on perd, hein. Allez, on va enfin taper cavalerie lourde. Sans eux, il fait abri maintenant. Tu sais. Depuis tout à l'heure, il a eu 1000 tours pour faire abri. Non, ça va, il le fait pas. J'ai évité. J'ai. Quoi? Éboulement, ça a loupé les deux? Non, ça a tapé. Ça a tapé Ronflex, non? Oh là 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 là, on évite encore! Mais c'est quoi ça? Des ninjas! Mon équipe, c'est des ninjas! Canicule! Et la cavalerie qui vient terminer, et bah du coup, on 4-0. Le pauvre monsieur qui se fait punir. Il fallait pas faire tout rien, tour 1. Il fallait faire demi-tour. Faut pas te mentir, il fallait faire demi-tour. Tout rien, c'était forcément un play de la lose absolue. Très clairement. Donc, c'est dommage. Il fallait pas. Parce que, bon, tout rien sur Ronflex, évidemment, le pire play qui existe dans le jeu depuis l'existence de Gluttonry B50%. C'est vraiment le pire play de l'univers. Mais c'est pas beaucoup mieux de le faire sur un Félin Inferno où tu sais qu'il a une meilleure base PV et qu'il est toujours joué avec du bulk. Donc, c'est une grosse erreur. À moins que tu t'anticipes un switch, mais enfin... Pourquoi j'aurais pas fait bluff sur les deux Pokémon en face avec mon Félin Inferno? Il n'y avait pas de raison. Du coup, ça fait... on commence par deux victoires.